Hey, 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 yep, si! Hey, 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 coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Riche Petit Archéologue. Avec le bel Iowa, toujours pimpant, toujours sexy, et toujours bien en chair. Ben aujourd'hui, comme on peut toujours pas retourner, eh bien, dans la Selva Dorada, j'ai envie de jarter les bons petits bonshommes, là, voilà, ils m'ont saoulé. Voilà, j'en ai marre de les voir. Ça fera de la place. Eh ben, il va falloir occuper le petit là. Le petit bigorneau. N'est-ce pas, Yoa? Donc, bah écoutez, vous m'avez été quand même de bons conseils. Et puis, vous êtes plutôt partant pour que je le lance dans l'escalade. Donc, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Au petit matin, rien de mieux que de s'occuper de ces petites plantes qui sont en train de mourir parfois ou pas. On sait jamais. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a un petit bug quand même dans cette histoire de plantes. Mais c'est pas grave. Voilà, bon bah il veut pas. Tu vas parler à des plantes, tiens, ça te fera du bien. Tu vas vendre les fraises et tu vas lui parler aussi. Habaret, Voilà. c'est Ça va te pas satisfaire un petit peu ton besoin Habaret. social. Non Je lui achète un exemplaire de tout ce qu'on peut acheter pour le matériel d'aventure et je vais lui prendre aussi un kit d'escalade. Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'on pouvait acheter les cristaux, hein. Tous les cristaux et j'aurais fini ma collection beaucoup plus vite. Ouais, non, on dira rien, on n'a rien vu. Oh là là! Alors, je vais pas prononcer le nom du parc parce que je pense que je n'y arriverai pas correctement. Mais on est là, dans ce petit parc-là, très mignon. On va aller se balader direct, hein, comme ça, bah oui, on va pas attendre. Tu vas me faire une petite promenade méditative, mon petit? Ouais, non, mais tu joueras aux échecs plus tard, c'est pas grave, t'as ton niveau 10 maintenant en logique, on en a plus besoin, hein. Puis on va profiter du coin de Monkomorebi, là, de faire un petit peu de randonnée dans cette petite forêt de bambou qui est très jolie. Peut-être choper des Pokémon. Peut-être choper des vieilles chenilles dégueulasses. À voir. Pour l'instant, ils s'enjaillent, là, la nature, tout ça. J'ai peur qu'ils se chopent des bestioles, mais bon, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh! Des mouchoirs volants. Incroyable, si tu allais faire un vœu. Mais bon, quand tu voudras, s'il n'y a rien qui presse. Ah bah voilà, c'est maintenant qu'il fait un vœu. Il est revenu de lui-même, au final, ça va. Sentant que les vœux d'Iowa sont sincères, l'esprit de la forêt semble content et malicieux. Iowa sent sa poche se remplir d'un étrange objet rond! Ah bah voilà, et pas que objet rond, hein, il va se choper des bestioles. Sois zen, mon petit. Ah! Vas-y, tu les atomises, les Tchernobyl, là. Les chenilles de Tchernobyl, et on leur dit un gros prout dans la tronche. Alors, t'as chopé un Pokémon? Il est là, le Pokémon. Attention. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Pokémon Go! La princesse Cordelia. Super. Cette fois-ci, il est reparti, hein. Regardez comme il est content. Pour le circuit panoramique. Donc, il va découvrir et il va se faire kiffer, hein. Tranquille. Voilà. Ah ouais. Toi, on te demande de faire de la randonnée et tu fais quoi? Tu fais du vélo. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein? Et au moins il ira plus vite là où il veut aller, hein. Il me flingue avec son vélo, j'en peux plus. Voilà, l'arbre à vœux, là. Enfin, c'est pas un arbre à vœux. Ah, il y a encore les mouchoirs là-bas. Tire à leur faire un vœu. Hein, il n'y a pas de raison qu'ils te refusent de te donner un Pokémon parce que bon, t'es un gentil garçon quand même. Un peu coureur, certes. Mais quand même, il est gentil, Iowa. Il est beau et intelligent, il est fort, il est riche, il a tout. Cette tête de benêt me fera toujours rire quand même, je veux pas dire, mais il me flingue. Ça y est, il reprend son vélo, il va aller voir les mouchoirs volants, qui sont juste là, hein. Mais tu repars dans l'autre sens! Mais c'est pas vrai. Regarde les beaux mouchoirs verts, comme ils sont mignons. Allez, tu vas faire une petite prière là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, il a reçu 50 simflouzes! Ah, oh, dis donc, bah avec une fortune de déjà 700 000 dans la poche, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Alors, je sais pas où tu veux aller, mais il y va. Allez, vu que vraiment le décor est magnifique dans Escapade enneigée à Monkomorebi. Et là, il est en train de faire du vélo pour rentrer et essayer de faire un peu d'escalade. Donc, je vous donne. C'est cadeau, quoi, je veux dire. Voilà. C'est pas la Simrumba, mais c'est cadeau quand même. Ce joli paysage. Vraiment, il est très, très, très joli. Et là, c'est la forêt de bambou que j'aime aussi particulièrement. T'es descendu de ton vélo pour te faire agresser?
par les mêmes chenilles de Tchernobyl. Super, je suis ravie. Ah, mais j'avais oublié qu'ici, il pouvait pas encore grimper. On doit aller en haut de la piste. Bon, ben, go, mon coco, hein. Non, non, mais tu vas pas t'allonger, regarder le ciel, non. Allez, on va au ski. Voir Iowa en petite chemisette d'explorateur de la jungle dans un environnement complètement recouvert de neige, ça me fait rire. Ah, voilà qui va être mieux. Tu vas enfiler ton truc d'escaladeur. Bien sûr, il y a toujours autant de merdier dans son inventaire. Tu vas le mettre. Voilà. Donc, t'as les petits gants et les petites chaussures. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Dégage. Et tu vas examiner. Voilà. Et alors, bien sûr, il faut monter difficile, machin. Mais c'est bon, là. Arrêtez de le coller aux fesses. Hein. Il examine. Et tu vas te faire la première séance d'escalade, mon petit Iowa. Oh, bichette. Moi, ça va l'occuper en attendant de retourner à Selvadorada. Ah bah oui, bah il est bêté à cause des bestioles, hein, bien sûr. Ouais! Bon, il est un peu dans la lune, hein, il est complètement hébété, mais il a réussi à grimper. Mais t'es trop fort, Iowa, tu sais tout faire. Yes! Il a réussi à grimper! Voilà, il est content. Regardez-moi ça, il est content. Bah, tu peux descendre maintenant. Tu peux redescendre maintenant que t'as grimpé. Eh, il va falloir que t'en fasses pas mal, hein, mon coco, parce que, à mon avis, pour arriver au niveau 10, ça va être long. Ça va être très, 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 très long. On aura le temps de finir le challenge ici, là. Et tu vas où, Jaco, là? Tu continues à grimper, hein? Il est fou, lui. Allez, on est reparti pour s'entraîner. Ah, bah, il y en a un autre qui s'entraîne aussi. Allez, Iowa, c'est toi le plus fort. Montre-lui que tu gères. Enfin... Ouais. Allez, Iowa! Tu peux le faire! Tu l'as déjà fait. Ne regarde pas l'autre qui tombe, c'est pas grave. Regarde tes appuis. Oui, tu vois, tu vas y arriver. Mais oui, mais oui! Oh oui! Oh, le boule! Oh, le boule! Mais GG, Iowa! T'es trop fort! Il est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette bonne automate? De bion, oui. Parce que c'est bio et bon, parce que c'est forcément dans un... truc d'automate à de noix. Ah ouais, t'as vraiment pas grand chose. Tu vas me prendre un sandwich BLT, ouais. Parce que le petit chou là, il a faim. En espérant qu'il se fasse pas avoir par la machine. Allez. Se faites gaffe, hein, ces machines n'allent pas vous arnaquer. Hein. Ah, il les a reçus. Bah écoute, bichon, tu peux le manger. Si je le retrouve dans tout ton fatras là, si c'est bon. Manger sandwich. Et puis. S'il y a quelqu'un à qui tu peux dire bonjour et discuter, voilà. Ah bah c'est la même tout à l'heure. Bah c'est pas grave, tu vas aller lui parler. Tu vas lui signer un autographe, tiens. Parce que elle aussi c'est une star, mais elle sera forcément impressionnée par toi. Regardez-moi ça. Elle est plus connue que lui, mais elle est complètement gaga. Je me souvenais qu'il y avait une option pour dire que qu'on pouvait les impressionner et tout. Parce que lui, avec la thune qu'il a, quand même, il est meilleur que toi, meuf, hein. Il n'y a rien de mieux que ces petites plantounettes pour lui tenir la conversation. Moi, je vous le dis. Alors que c'est le jour de l'amour. Ah, donc Iowa, il faut qu'il trouve quelqu'un pour ce soir. Les plantes continuent à faire nawak. Donc bon, il va se lever tranquille et après, il s'en occupera. Oh là là, il y en a une qui passe sur le terrain, mon Iowa. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Bon, t'es pas un prix de beauté, ma petite. On passe notre tour. Ouais, ça arrive. De retour dans le petit parc au Mont Komorebi, on va faire une petite randonnée avant d'essayer d'aller grimper ici. Normalement, il va pouvoir y aller. Bah, je l'espère en tout cas. Oh là 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 là, non, pas cette chose dégueulasse! Brrr! Ah! Comment t'as fait pour t'en débarrasser? Comment t'as fait pour t'en débarrasser, bichette? Sauvé par son cerveau, rencontre avec un ou plusieurs animaux sauvages. Rencontre avec un ou plusieurs animaux sauvages. Utiliser toutes ses connaissances sur la nature permet à Iowa d'éviter l'attaque. Quel homme. Quel homme, je vous le dis, quel homme. Ah, bon. Eh ben, il a une compétence trop faible pour aller ici. On va aller retourner à la montagne, alors. Hein. Allez, mon beau, tu vas pouvoir remettre ton matériel d'escalade. Et puis, faire ta petite séance. Voilà. Travaille bien, hein, c'est parti. Bon, tout doucement, hein. Il est même pas encore au niveau 2. C'est pas terrible.
côté, il y a d'autres choses qu'ils maîtrisent au moins, hein, mais là... Même le ski, ça a été plus facile au final de grimper. Je crois que l'escalade, ça va être très très long. Surtout que là, il est galère, hein, mon coco? Allez! C'est que t'es un mur de pierre, tu as des doigts agiles. Ouais, mais peut-être qu'il se dit, ouais, mais attends, ce soir, c'est le jour de l'amour, mais ça, il faut que j'ai un rencard, moi, aujourd'hui. J'avoue. Je vais voir s'il y a quelqu'un de sympa pour toi dans le coin. Oh oui, niveau 2 de la compétence escalade. Assez compétent pour monter le petit mur d'escalade avec courage. Il peut développer sa compétence en montant et en descendant un mur tout en tentant une séance d'escalade point de rupture. Il a aussi débloqué de nouvelles lunettes de ski. Oh, super. Magnifique pour les lunettes. Mon bichet. Continuellement. Méticuleux, mon bichet. Hein, après, parce que là, ça... Bah, il faut qu'il gagne du skill, mais on est loin. Hein. Quand même au niveau 2, hein, je vous rappelle. Tiens, 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 regarde qui je trouve là. C'est le petit Kiyoshi. C'est le seul qui est beau hein, dans ce nouvel add-on. Voilà, va lui dire bonjour. Bah, il y en a qui s'exercent au ski et ça n'a pas des bons résultats. Oh maman, le Festival des Lumières. Tu vas l'emmener au Festival des Lumières, ce petit jeune homme. Tu vas lui apprendre la vie. Il va en voir toutes les couleurs. Oh, tu vas lui offrir une petite baie romantique. Peut-être que ça le mettra d'humeur à découvrir des choses dont il n'a pas idée. Tiens, Kiyoshi. J'espère que tu vas aimer mon petit cadeau. Mange-la, tu vas voir la vie autrement. Wow, Bob Cribs. Oh. Oh là là, ça y est. Ça lui a fait de l'effet. C'est juste incroyable. Hein. Ayuwa, maintenant. Avant, il avait un mal fou à draguer. Maintenant, il emballe tout ce qu'il peut, quoi. C'est un truc de dingue. Oh là là, c'est chaud. Bon, allez, je pense que vous allez en rancard là. Oh là là! Ah, il est à fond. Et voilà, nous sommes au petit parc du mont Komorebi en bas, quoi, là. Tu vas retirer ton matos d'escalade parce que c'est pas très sexy. Voilà, tu vas l'enlever. Et tu es en rancard avec le petit, là, le petit jeune, là. Tiens, tu vas l'enlacer. Alors, maintenant, il faut qu'il plaisante avec son rancard. Tu vas faire une petite blague de toc-toc qui est là. Puis il faut pas oublier qu'il faudra manger un petit peu, hein. Oh oui, des sushis. Alors, tu vas marchander, qu'est-ce que tu vas manger? Des makis, des nigiris. Attends, des makis au thon, des makis au saumon. Des makis au saumon, évidemment. C'est tellement bon. Oula! Alors qu'il y a déjà les feux d'artifice dans le feu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est mignon ce petit bambou à vœux là. On peut faire un vœu en fait, et Iowa va le faire. Oh, vous pouvez le faire avec un Sims ou tout seul. Donc Iowa, il va en faire un. Ah, d'accord, Iowa est devenu l'idole des gosses. Mais venez pas le déranger alors qu'il est en train de draguer, bon sang. Alors, tu vas faire ton petit vœu. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris, Iowa? Parce que sachez-le que moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Hein. Donc, il fait son propre vœu de son propre chef. Bah voilà. Je pense qu'on a ramené des aliens hein, en allant chez Afsixam. Malheureusement, ils nous envahissent. Mais non! Mais non, regardez dans Amour, je peux te donner une bouchée. Sauf si Aoyawa mange tout avant, on peut donner une bouchée. Mais what? C'est nouveau ça. Ouais, oui, il n'y a plus rien. Ça va pas marcher, c'est pas grave. Allez, il est temps quand même de passer aux choses sérieuses avec Kiyoshi. Parce que lui, il attend que ça, hein, ce petit garçon, j'allais dire. Ce jeune homme, excusez-moi. Quand même. Bon, ça devient de plus en plus coquin cette histoire. Regardez-moi ça. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus beau que l'autre. Hein. Et hop là! Ah, ça y est, hein, Iowa, on l'arrête plus. Hein. Une conquête par épisode. Hein. Et pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, peut-être, on ne sait pas. Voilà ce qu'est le Festival des Lumières à Mont Komorebi. C'est dommage que les petites lumières ne bougent pas. Mais c'est quand même super. Superbe, c'est vraiment très très beau. Donc sur une partie du fleuve, de la petite rivière, vous avez ces petites lumières là. Et c'est vraiment magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bah, c'est les feux d'artifice avant le crac-crac de Iowa hein, quand même. Et c'est une médaille d'or au rancard. Bravo mon petit Iowa. Alors, vite avant... Ah non, il n'y a plus! Ah non, je voulais qu'il achète un kimono! Oh la tristesse! Bah oui, tout se disparaît! Oh la tristesse! Et puis les petites lumières sont parties aussi. Ouin, 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 sniff, sniff.
Bien sûr, on va pas rentrer de rancard sans emmener, eh bien, ce jeune homme pour lui faire découvrir des choses incroyables et vous faire visiter un petit peu, tout simplement, la chambre. Oh là là, direct. C'est parti. Alors, Kyoshi, je préfère te prévenir, il est un peu fatigué, Iowa, donc j'espère que tu en tiendras pas rigueur, si c'est pas le coup du siècle. Mais honnêtement, j'en doute. À plus, Kyoshi, à bientôt. Ah, alors, bien dormi, mon petit. Allez, direct, t'as envie d'aller faire t'occuper des plantes. Bon, pourquoi pas. Plantes qui, d'ailleurs, sont redevenues toutes petites, hein, évidemment. On a tout compris. Pour le coup, il va un petit peu se débarrasser de quelques petites choses qu'il avait trouvées ou qu'on lui a envoyées, histoire d'eux, hein, parce que ben, on est samedi et mercredi, on pourra retourner à Salvadorada, donc histoire que ce soit pas blindax dans son inventaire. Voilà, j'en peux en utiliser quelques-uns. Et voilà, un premier objet envoyé pour 4417 simflouz, rien que ça. Mais il me fait quoi? Il part déjà refaire un autre alors que là il l'a pas fini? Oh. Oula! Les pirates ont débarqué sur l'île. Ok, cool. Ah, ben on va faire un don au musée de celui-là aussi, s'il te plaît, mon petit. Ensuite, tu iras t'asperger d'eau de mer et faire un peu te soulager par-dessus bord. Et peut-être qu'on retournera faire un peu d'escalade. Oula, c'est qu'il fait pas super, super beau. Tu vas te changer, évidemment. Tu vas mettre ta tenue avec ton petit pull Moschino, là, parce que t'es un hipster. Ah, t'as récupéré ton vélo? Bah oui, mais tu le mets n'importe où, mon gogo. Alors, franchement, tu vas venir ici tout simplement faire du vélo et continuellement une salade méticuleuse. Non, une escalade, évidemment. Mince, j'ai oublié de lui mettre ses trucs avant. Aïe, aïe, aïe. Il va peut-être se tuer avec ses conneries. Ouais, non, mais arrête, arrête. Tu vas. Non, non, arrête. Tu vas mettre ça avant. Voilà. Tu le mets et continuellement méticuleuse. Voilà. Go! Tout doucement, il y arrive, hein. Enfin, bien sûr. Pas quand j'en parle. Tu me flingues, hein. Iowa, maintenant, tu le fais bien ou tu le fais pas. Mais fais quelque chose, quoi. Et il gère, là, hein. Je lui ai fait faire en point de rupture. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Point de rupture. Bon, bref. Tant qu'ils se rompent pas le cou, ça devrait aller. Mais il gère plutôt, il est assez content. Voilà, bien sûr. Allez, là, active-toi un peu, montre aux abonnés que tu gères, Iowa. Voilà, il a réussi à descendre. Et si qu'il a réussi à descendre, c'est qu'il avait réussi à monter. Vous inquiétez pas, regardez comment il grimpe à une allure. Waouh. On est toujours au niveau 2, hein. On n'est toujours pas au niveau 3, hein, des compétences. Oh oui, voilà le niveau 3 de la compétence escalade de gagner. Il peut désormais faire des étirements avant de grimper, tenter de grimper sur les voies d'escalade de hauteur moyenne. Ça, c'est cool. Ah oui, j'avais pas vu qu'il était déjà presque 1 h du matin. Ouais, bah arrête alors, on va rentrer, hein, parce que là, tu vas être fatigué. Allez, un bon petit plat de pasta. Des actualités à la télé pour te divertir, quel bonheur. Ou un jeu télévisé, j'en sais rien. Et ce sera une belle journée qui s'est passée, mon petit Iowa. Bien, hein? Ouais, plutôt content. Et je sais que si je ne fais pas de Simrumba dans l'épisode, je me fais engueuler. Voici donc le moment Simrumba. Et comme ça, moi, je vous dis au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la chaîne pour m'aider à me faire connaître. C'est le best soutien ever. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures avec Iowa. Peut-être de l'escalade, peut-être d'autres choses, avant de retourner à Selva Dorada. Ciao!